bugs YouTube, manque de notifications sur vos chaînes. Je te laisse découvrir cette vidéo. Bonjour les amis, c'est Choublou. Cette vidéo a pour but d'expliquer le nouveau système de YouTube, ou si tu veux, les bugs YouTube que tout le monde rencontre sur sa chaîne. Pas mal de grands YouTubeurs ont parlé de ce phénomène qui prend de l'ampleur sur YouTube. Il vous suffit de prendre l'application YouTube Studio pour comprendre de quoi je parle. Si vous ne connaissez pas l'application, vous pouvez la télécharger sur iOS ou sur Android. Reste avec moi, continue la vidéo et je te donne plus de détails. En cliquant sur le bouton tableau de bord, votre chaîne s'affiche. Vous aurez le nombre d'abonnés, la durée du visionnage, tous les détails sur cette application et aussi les revenus estimés. En cliquant sur le tableau de bord, l'application s'ouvre. Nous avons vidéo, playlist, commentaires, analyse, paramètres, laisser un avis et l'aide. Ce qui nous intéresse, c'est les analyses de votre chaîne. Vue de l'ensemble, revenus, découvertes, type de source de trafic, publicité YouTube, les notifications. C'est là où on va comprendre. Vous avez sans doute constaté sur le pourcentage de notifications du nombre d'abonnés que vous avez, vous recevez que 21%. Normalement, on devrait recevoir 100% de notifications. C'est là le sujet critique. Posons-nous la question. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup que les gens s'abonnent à nos chaînes? Moi, je dis, ça vaut pas le coup. Car ils vont recevoir les notifications, soit tard ou pas du tout. Est-ce que tu m'as compris pour cet exercice où tu as le cerveau qui est embrouillé? En fait, moi, j'ai 1300 tourons abonnés. Sur 1300 abonnés, il n'y en a que 21% qui ont reçu la notification. Exemple, si j'ai 1 million d'abonnés, tu pourras constater que 5% auront une notification. Le reste ne recevra pas aucune notification. Nous pouvons constater qu'aujourd'hui, toutes les notifications des chaînes YouTube coûtent énormément pour cette plateforme ou ce support. Et je comprends. Avons-nous une solution à ce problème? Je pense que YouTube a une solution, mais il faut laisser le temps que tout ça soit géré par l'algorithme. Nous avons vu aussi beaucoup de YouTubeurs qui ont 100 000, 10 000 ou 1000 abonnés ont généré plus de vues qu'un YouTubeur qui fait 1 million, 2 millions d'abonnés. Pourquoi? Parce qu'ils collaborent mutuellement. Et c'est là que l'algorithme va suggérer les vidéos, ainsi de suite, à chaque fois que quelqu'un passe visionner ton contenu. N'oublie pas de t'abonner et d'ouvrir l'onglet options. Après, je ne peux pas garantir si tu vas recevoir la notification. Mais moi, ce que je veux et ce que j'attends de toi, c'est la collaboration mutuelle sur nos chaînes YouTube. Le mot de la fin, le coup de pouce de chacun permettra à tous d'aller plus loin. Il ne me reste plus qu'à vous dire, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao !